La tournée d'information, d'explication et de sensibilisation initiée par le PDCI-RDA s'est poursuivie sur toute l'étendue du territoire. C'est dans ce cadre que la mission conduite par M. Anoumankwa Omagloire a posé ses valises à Dabakala chez les Jimini Djamala le lundi 15 février 2021. Il était question pour les émissaires du président Rikonon Bédié d'expliquer aux populations de Dabakala les motivations réelles de la participation du PDCI aux élections législatives. Et ce, après l'épisode du mot d'ordre de désobéissance civile. Entouré des deux candidats PDCI-RDA que sont Bion Jean-Louis et Baïkro Moussa, assisté de la ministre Assana Sangaré, le chef de la délégation, M. Anoumankwa Omagloire, est allé plus loin en touchant du doigt les difficultés des populations. Il les a aussi appelés à l'unité et surtout à la vigilance. Après la présentation des candidats retenus pour défendre les couleurs du PDCI-RDA, Bion Jean-Louis et Baïkro Moussa se sont adressés tour à tour aux populations pour traduire leur reconnaissance et demander leur soutien total. Tout ce qui existe dans notre région, tout ce qui existe dans notre région, nous avons ça depuis le temps du PDCI. Ceux qui sont venus n'ont pas ajouté une pierre pour dire que c'est eux qui ont fait. Même la route s'est gâtée devant eux, ils n'ont pas entretenu. Même la route s'est gâtée devant eux, entretenir, ils ne sont pas capables. Ça fait 10 ans que Dabakala n'a pas de député. Ça fait 10 ans que Dabakala n'a pas de député. Parce que le travail d'un député, vous avez connu ça par le passé. Tanti était député, elle quitte Abidjan, elle vient vous faire le point de son travail, et puis elle repart. Elle revient, elle va voir partout ce qui va, ce qui ne va pas, et puis elle s'en va. On l'aime, on ne l'aime pas, elle a fait ça. Nuit et jour ici. Depuis 10 ans, le député sortant n'a pas fait ça une fois. Donc c'est pour ça que votre fils qui connaît votre souffrance a décidé d'être candidat pour être votre député. Comme ça, vous aurez un vrai député. J'ai accompagné la tante, je sais comment est le travail du député. C'est la raison pour laquelle, connaissant votre souffrance, je ne pouvais pas vous laisser comme ça, parce qu'aucun enfant n'aime montrer son village de la main gauche. Donc on va se battre pour répondre à vos préoccupations et on pourra fièrement montrer notre village de la main droite. Vous savez, depuis quelque temps, ça, il faut que ma gloire le sache, dans la région, il y a un éléphant qui est sorti de brousse et qui se promène dans les villages. Il se promène tout seul dans les villages. Il vient se frotter contre les murs de la maison et tout ça. C'est un signe. C'est un signe. Il est en train de vous dire, ça suffit comme ça. Faites la place à l'éléphant. L'éléphant même est venu en personne vous parler. Il s'attaque à personne, hein. Il vient, il s'amuse et puis il s'en va. Un Dabakala ici. Un éléphant tout seul pour vous dire je suis là. Donc, c'est le retour du PDCI. Si je veux être votre député, c'est pour travailler pour vous sérieusement parce que c'est un vrai travail. Ceux qui sont là, ils ne connaissent pas le travail. Mais ce travail-là, ce n'est pas Danny Blanc. Voilà. Donc faites-moi confiance et vous allez voir la suite.